que ce qu'il a créé, c'est non seulement le commissaire Maigret, qui est quand même internationalement connu, avec sa pipe et le vin blanc qu'il adore, mais aussi parce qu'il crée véritablement, sinon, une atmosphère qui est à la fois dans la réalité et qui est uniquement la sienne. Je crois que le premier livre que j'ai lu, c'était Le Fou de Bergerac, justement, donc toujours dans la même région. Et je m'en souviens parce que je crois que Maigret était à l'hôtel et il a résolu le crime simplement de l'intérieur, sans beaucoup sortir. Et ça m'avait beaucoup intéressé du point de vue de la structure du livre. Allez. L'affaire Saint-Flac, parce qu'il y a une partie autobiographique dans ce livre-là qui montre les disparités sociales qui, je pense, font partie de l'intérêt de Simenon pour ses livres. Je serais plutôt Maigret, je pense, à cause de l'atmosphère absolument extraordinaire qu'il crée. On se retrouve dans ce café, dans ces quartiers parisiens de façon très, très nostalgique parfois, parce que les choses disparaissent et changent. Ah, pour moi, oui, Bruno Kremer était absolument conforme à l'image que je me faisais de Maigret. Et c'est toujours difficile d'adapter une série à la télévision ou au cinéma, parce que le lecteur a bien entendu une représentation qu'il ne peut plus projeter lorsqu'on lui impose une image. Mais pour moi, Maigret, c'est Kremer.